bien, yo les gars, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve avec les nus. Je pense que vous en souvenez, pour ceux qui ne connaissent pas Vieux Schnock les gars, c'est un nu que j'avais créé justement il y a quelques mois. Et j'étais en train de faire du PVP colis 1v1 avec ce petit émitrophe. Donc ça m'a pas non plus coûté une blinde que d'avoir cet nu. Mais du coup les gars, voilà, j'ai plusieurs modes et finalement je reprends un petit peu cet nu parce que justement ça fait un bail en fait que je l'ai pas connecté et je me suis dit je vais vous faire un petit peu de colis 1v1, je pense à les 2-3 colis, par rapport justement aux colis qui vont suivre. Faut savoir que, voilà, comme vous le savez, je pense que quand vous regarderez cette vidéo, je serai justement en vacances. Et que justement, j'ai préparé quand même pas mal de vidéos en avance. Et justement, par rapport à cette tenu, je sais pas si je dois changer de stuff ou pas. Parce que j'ai un stuff, entre guillemets, chance, dommage. Mais le mieux, ça serait vraiment d'avoir un stuff full d'eau. Attendez, je vais juste... là, on a un yop. Est-ce que je mets mon mode vita ou mon mode rox? Déjà je vais mettre la petite pute. Donc voilà, oui, concernant les colis que vous allez voir pendant que je serai en vacances, ce sera généralement des colis de 10, 15, voire 20 minutes, mais grand max. J'essaierai vraiment de faire des vidéos plutôt courtes, histoire que ce soit vraiment assez intéressant pour vous de regarder ça. Du coup, les gars, je pense que je vais mettre un mode full dommage. Il a combien de vita? J'ai peur, combien? 588, ok, il a pas beaucoup de vita, les gars. Tant mieux, parce que j'avais pas non plus envie de tomber sur un boss directement. Bon, du coup c'est un yop, donc je peux y aller tranquillement. Le sac animé. Alors j'ai accélération et j'ai des petites lancées de pièces. Alors on verra bien ce que compte faire. Donc il s'appelle Pipoun Pimpin. Ouf, alors lui il a dû regarder Wakfu. Bon, par contre il veut pas venir. Ça commence bien les gars, le retour avec Vieux Schnock. Bon, moi très clairement je vous le dis, hein, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver avec du colis, avec cet nu, parce qu'il m'avait vraiment manqué. Bon, là, il connaît un petit peu les lignes de vue. Il joue plutôt bien pour le moment, il se cache. J'aimerais bien qu'il vienne un petit peu. Alors, son élément, j'essaie de voir. Je crois que je l'ai. Accélération, ça me donne combien? Ouais, ça me dit... Accélération, ok, 2 PM. Ouais. Et je vais me foutre ici. Ah, pour le moment les gars, là c'est un duel vraiment. Est-ce que c'est intéressant? Bon, c'est vrai qu'au niveau 20, lui il est niveau 45, hein. Ça commence déjà, hein, ça fait vraiment 2, 3, 4 mois même que j'avais pas connecté les nuits, et pourtant c'est déjà un colis déséquilibré. Alors il y a peut-être feu, hein, il y a peut-être feu, il va falloir faire attention. Oh putain, mon sac il est... Oh, du 50 les gars, wow. Oh, j'avais oublié comme quoi mon mode était quand même assez cheaté. Allez, petite accélération. Pas envie qu'il me tape. Pas envie qu'il me tape. Ouais. On va se mettre là. Bon, il accepte PA. Bon, moi après j'ai 6. Hein, voilà, j'ai pas d'exo, hein, sur cet énutrophe. Il se place moyennement bien. Parce que si je cours ici. Je l'ai. Et là, les gars, triple. Oh là là. Et je fais quand même mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis par chaud, au fait. Ouais. Je suis par chaud, vita et chance, hein. C'est bien ça, non? Naturel plus additionnel. Oh putain. Oh, heureusement, j'ai la libé. Ah, il tape fort, cet enfoiré, là. Ah, il tape du sang. Vaut mieux que je me casse. Ouais. Faire un petit sac. Bon, je kick sa portée. En fait, on a pas mal d'adresse à un autre niveau. C'est vraiment dommage. Avant, on l'avait, je crois, un peu plus tôt. Du coup, là, oh là là, il va me défoncer. J'espère que j'ai de la fuite. Friction. Et qu'est-ce qu'il va me faire? Alors, soit bon, soit il va faire épée. Non, il a pas IP du up. Ah non, il est 45. Ouais, bon, il va faire bon. Bon, là, alors là, les gars, ça va être vraiment chaud. Hein, parce que ça va jouer à rien du tout. Sauf si je crit. Ah putain, c'est chaud, les gars. C'est chaud. Bon, il y a mon sac qui va tanker un petit peu. Est-ce qu'il a encore. Ah, il a plus d'épée divine. Donc, il va taper un petit peu moins. Mais ça va jouer à rien. Parce que là, si je le finis pas. Ah, j'ai boîte de Pandore. Ouais, mais même. Boîte de Pandore, est-ce que ça peut me sauver énormément? Ouais, 61 points de vie. Alors. Oh putain. Épée royale du Gouftou, ok. Est-ce qu'il a précipitation à son niveau? Je sais plus. Non, on le finit là, on le finit. Yes, c'est bon, on le finit les gars. Premier colis. On défonce un niveau 45, voilà. 24 levels de différence, on s'en tape. On va vraiment essayer de les rusher.
Après, c'est vrai que par rapport à mon mode, les gars, comme vous le savez, voilà, je vous l'ai montré justement il y a un instant, j'ai un autre petit mode Vita, mais bon, je rock vraiment rien avec, hein, donc c'est un petit peu le problème. Du coup, bah, les gars, je vous dis à tout de suite pour le prochain colis. Ok, les gars, donc j'avais juste un petit peu oublié un truc pour le tout premier colis que j'avais fait. J'avais oublié le bouclier tournesol sauvage, justement, qui était sur le roublard, hein, PVP. Et donc, bah là, je viens de le récup. Et encore un combat déséquilibré. Cette fois-ci, c'est contre Ranei, une petite tramette niveau 39 qui a 6 PA, 4 PM comme moi. Mais bon, elle a 18 niveaux de plus que moi. Et elle est full agi, donc il va falloir faire attention à cette petite cocotte. Alors ça prépare déjà des pièges. On va balancer le sac dès maintenant, comme ça on aura la relance dans 4 tours. Hein. Alors SRAM, j'ai un petit peu peur. Parce que bah voilà ce que ça fait les gars. Ça risque d'être un combat très très ennuyant, mais en tout cas bon moi je kiffe un petit peu les colis. Surtout les colis bas niveau comme ça, parce que j'ai vraiment pas l'habitude de jouer. Est-ce que je l'ai d'ici? Non, je ne l'ai pas. Bon. Alors je connais pas sa portée, mais a priori à très bas niveau on n'a pas non plus énormément de portée. Bon, c'est pour ça que les SRAM j'ai pas spécialement envie de jouer contre ce genre de classe. Et bah voilà. Oh putain, clair inductrice les gars, j'ai pas le... Ah fait chier. Clé réductrice, je n'ai pas la portée parce que sinon je pense que je l'aurais vraiment fait chier. Alors, il va se casser où? Invisibilité. Alors, allez, oh, il était où? Il était. Il était là, c'est ça, il était là. Il est en dessous de 2 PM. Je sais exactement il est où, mais c'est ça qui me frustre. C'est qu'il est là. J'en suis sûr, il est que 2 PM. Il est là. Ouais, mais du coup, comment est-ce que je peux taper? Putain, j'ai rien, les gars, j'ai rien du tout. J'ai rien, je n'ai rien. Allez, une petite araque. J'ai pas de chaffeur sur ce personnage. Alors, j'ai l'araque, mais j'ai pas le chaffeur. Ok. Bon, ça va. A priori, bon, après, il est R aussi. Hein. Alors, il était où? Ah, bah non. Bon, bah, les gars, je m'étais trompé. Donc, 5 PM. Piège sournoi. Ah, c'est trop chiant les SRAM parce que justement, là, il va vraiment la jouer. Comme j'aime pas du tout. Donc là je viens de calculer CPM et je pense qu'il est peut-être ici au cac du... Non, il a carrément envie de la jouer full fuite. Ah quoique, il est peut-être ici, j'ai pas vérifié ici. Non même pas, ouais, non. Bon, les gars, je suis désolé, hein. On tombe contre un adversaire vraiment ignoble. Si je vois qu'il reste comme ça, les gars, c'est pas grave. J'abandonne le colis, limite, je me suicide. J'ai pas envie que ce genre de colis dure 3 plombes. Donc, la rade qui fait un petit peu le taf. Ouais, non, mais là, c'est horrible. Bon, bah, les gars, je suis désolé pour ce colis. J'ai vraiment pas envie que ça soit vraiment trop ennuyeux pour vous. Je vais me suicider. Je vais foncer dans ses pièges. Je vais me taper. Et puis, bah, voilà, je vous retrouve tout de suite. C'est vraiment dommage hein, qu'on arrive, qu'on arrive à affronter ce genre de personnes. C'est triste, mais bon. Moi je suis là justement pour kiffer, j'ai pas envie non plus de... Voilà, du coup bah les gars je vous dis à tout de suite. Ouais, re les gars, donc voilà, bon voilà, je me suis suicidé parce que franchement ce genre de personne ça n'a vraiment, mais alors aucun intérêt de vous proposer ce genre de colis. Du coup bah voilà, petite défaite parce que j'avais pas envie que ça dure 3 plombes. Bon après niveau portée je pense que j'étais bien, je pense que j'aurais pu gérer s'il avait vraiment joué... Bah voilà, SRAM de toute façon c'est vraiment une des classes que je peux pas blairer. Surtout à bas niveau, voilà, ils en profitent, surtout contre un Inu. Bon, voilà, là, c'est parfait, les gars, c'est un Yop. Et normalement, voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je veux vous proposer du colis vraiment assez court et pas des vidéos vraiment trop longues. Du coup, bah là, les gars, troisième combat, enfin, on peut dire même le deuxième, parce que le deuxième, il a pas trop compté, je trouve. On tombe contre un petit Yop, voilà, niveau 39, qui a 630 points de vie. Il ressemble un petit peu au premier combat, donc on verra bien ce que ça vaut. Donc, voilà, tout simplement... Est-ce qu'on va balancer le sac dès maintenant? Ouais, on va balancer le sac dès maintenant. Est-ce que si bon maintenant, est-ce qu'il peut m'avoir au cac? Je sais pas. Bon, je m'avance, je prends des risques. J'ai pas envie. Je pense qu'il va, ouais, il va se booster. Après, voilà, c'est sûr, il va pas la jouer
complètement débile et foncer dans le tas. Je dis pas ça, les gars, mais je dis que bon, quand vous êtes un SRAM et que vous la jouez full poison, full piège, etc., toute la partie, c'est ennuyant. C'est très très ennuyant, mais bon. Donc, Jude Kiwi, il a vraiment un pseudo très marrant. Donc, je vais essayer de m'avancer un petit peu. Je suis encore protégé par le sac pendant 3 tours. Mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Après, voilà, ce qui est sûr, les gars, c'est que le PVP est très bas niveau. C'est. Voilà, on a très peu de sorts, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, personnellement, vu que je joue Enyuho un petit peu, bon, j'ai un petit peu. Pas non plus l'embarras du choix, si j'ose dire, hein, par lançant cette pièce. Donc là, on a un Yop qui décide d'avancer, ça j'aime bien. Et on va commencer à le taper. Bon, je trouve qu'il a un petit peu mal joué aussi pour le coup. Donc là, je lui balance un 150 Free Rocks. Hein. Là, c'est... Alors, Free Rocks, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, il a rien pu. Il aurait peut-être pu éviter ça en se cachant derrière cet obstacle ou quoi. De toute façon, moi, j'aurais continué à avancer. Mais là, Jude Kiwi, ouais. Alors, je sais pas, il a activé le mode tactique ou quoi? Il pense que je ne l'aurais pas. What the fuck? Mais qu'est-ce qu'il fait, les gars? J'ai quand même une bonne portée. Je pense qu'il doute un petit peu de ma portée. Ça doit être ça. Donc pour le moment, les gars, là, c'est du Free Rocks. C'est du 50 à... Ouais, 59 en crit. Hein. Je fais quand même quelques crits de temps en temps. Je sais pas, j'ai combien de pourcents crit. On verra ça. Crit. Critique, ouais, j'en ai 8. Mais bon, lancer de pièce, c'est... Alors pour le moment, les gars, le combat se passe quand même plutôt bien. Parce que il est mid life. Ah, il a une anti. Il va taper avec l'anti, je pense. Ouais, combien? Bon, ça va, je prends que 25 parce que le sac il tank, c'est parfait. Le sac il a très très bien servi. Et là, du coup, bah, franchement, je vais me mettre là parce que même s'il vient à mon cac, je pense que Jude Kiwi, bah ouais, bah tu portes bien ton nom. Parce que là, je vais normalement terminer au prochain tour. Donc, mon vieux schnock il est quand même assez balèze. Encore une fois, il se place mal. Est-ce qu'il se place mal? Oui, il se place très mal même. Parce que je le termine, bah du coup, bah les gars, voilà, c'est super. Bon, on a fait 3 colis et on a gagné 2 contre Dayop en plus, c'est vrai qu'on a l'avantage. Mais après, voilà, moi je suis que niveau 20. Ouh là là, attendez, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible ça, je suis 90% guild. Non? Si, je suis 90% guild, pourquoi je prends quand même des niveaux? Bah je sais pas. Du coup, bah les amis, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, je sais même plus, j'étais... J'avais mis tout en vitalité. Ouais, bah du coup là les gars, je vais tout mettre en chance. On va essayer de roxer du coup, bah les gars. Bon, malheureusement, ce sera pas pour cette vidéo là. Mais le prochain colis que vous verrez avec le petit Sénutroph, j'essaierai vraiment de la jouer encore plus rox. Donc là, je viens de mettre 100 stats en plus. Donc ouais, je suis bien par chaud, sans vita et sans en chance. Du coup, bah les amis, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. J'espère que le petit retour du vieux schnock vous aura plu. C'est du Essic, ciao, bye bye.